La région du Poro a organisé sa première édition intitulée Poro Brunch en présence des autorités telles que Madame le maire, Madame Soro Farah, qui représentait Monsieur le maire Honorable Ouattara Lassina, dit LASPR, Honorable Sitafa, Monsieur Alexis Sekongo et les différents directeurs régionaux. Un événement culturel qui s'est déroulé dans la ville de Korogo le samedi 11 novembre 2023 à 11h à la place Rose d'Or. Selon l'initiatrice Bénédicte Conan, l'objectif de cet événement était de permettre aux autres cultures de se sentir en famille, d'où surgit le thème de ce concept, le brassage culturel, facteur de cohésion sociale. Il faut savoir que les Akans, les Gourds, les Krous et les Mandés étaient à l'honneur. Jetons un œil à la cuisine. Ah, le champion noir. C'est le loco, c'est quoi? C'est la banane. D'accord. Nous, on est pété. C'est très bon ça. Voilà. Là, dans le ventre. D'accord. Le bras que les Sénifos aiment beaucoup. D'accord. Ça se prépare avec le maïs. Après, le débrau, je fais tchonro là-bas. Le tchonro et puis le débrau. Voilà les feuilles de tchonro. D'accord. Et je vais préparer. D'accord. Nous sommes des Tchénoué. Nous préparons du foutu gnam. Et la sauce pour avec gnagna. Ah, d'accord. Comme ça, on met le gombo sur le foutu, sur du gnam. On met gnagna dans le sachet. On met là-dessus. Tout va cuire ensemble. Et puis on va retirer. Après, on cuit le foutu, on cuit le gombo. Bon, ça, c'est du poulet frit. D'accord. C'est la soie un peu ferme. D'accord. Donc, on fait passer un peu dans l'huile. D'accord. Il est à banane. D'accord. Ça, c'est la sauce tchonro. Ça se mange avec un bateau violet. D'accord. Et ça se mange aussi avec le riz. D'accord. C'est la sauce tchonro. Avec de la viande, ça se mange avec le bon banane. On va manger, non? En pays, Baoulé, Adabou, la région des grands ports. Donc aujourd'hui, nous avons préparé du foufou avec de la tchèque ministre. Donc voilà ça, vous pouvez regarder. Ça vient commencer. Voilà. On va tout vous dire, hein? Ça va pas vous faire, moi. Hé, hé! Le riz, le riz. Ah, ça, c'est le riz, le bamoué. C'est le grand corps qui est là aujourd'hui. Nous sommes en train de faire le loco soukoué. Le loco soukoué. C'est ça, on est en train de faire. Grand corps, gagnant à la région du corps. Le tabato, c'est pays tabana. Au programme de cette rencontre, un accueil chaleureux a été consacré à notre DJ du jour, Moulukoukou DJ. Moulukoukou DJ. À la suite de cet accueil a eu lieu des prestations d'artistes, l'ouverture du buffet avec différents mets tels que le cabato, le foufou à la sauce claire, le plat cali, la soupe du pêcheur et plein d'autres plats. Sans oublier des pièces théâtrales, un bal poussière et un sublime défilé présentant des vêtements qui valorisent l'Afrique confectionnés par la marque CN Collection. C'est ainsi que cette magnifique soirée prendra fin avec des jeux exécutés par l'ensemble des invités. Ce fut une belle expérience. Thank you.
Solo Farah Epos Libali. Troisième âgé au maire de la commune de Korogo, enseignant-chercheur. Je suis accompagné de mon aîné, Madame Koulibaly Salmata, épouse Koulibaly, et de ma grande sœur Badjara aussi. Avant toute autre chose, je voudrais dire d'abord merci au maire de la commune de Korogo, Monsieur Ouattara Lassan, que nous appelons affectueusement l'ASPR. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est lui qui nous a offert les tickets. Ça veut dire la place que la culture occupe dans sa politique. C'est pourquoi nous disons d'abord merci et nous félicitons au nom du maire de la commune et à notre nom personnel, l'organisatrice, ma chère Bénédicte. Félicitations, nous sommes arrivés, c'est bon. C'est beau, nous avons communié avec d'autres communautés. L'année prochaine, nous viendrons encore plus nombreux. Nous viendrons avec des hommes et le maire lui-même, Inch'Allah. Je suis Bénédicte Bonan, promotrice du Poro Brunch. Vraiment, pour cette première édition, je dirais que je suis émerveillée. Je ne m'y attendais pas vraiment, surtout à voir tout ce monde, ce beau monde, ces autorités qui se sont déplacées pour venir au Poro Brunch. C'est vraiment une merveille, une grâce de Dieu. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Je dirais un grand merci à Maman Koulibaly Salmata qui m'a soutenue depuis le début, qui a cru en cet événement, qui a œuvré pour la réussite de cet événement. Malheureusement, elle n'a pas pu être là, mais je sais que de là où elle est, elle nous soutient, elle est de tout cœur avec nous, parce que c'est grâce à elle qu'il y a la presse, il y a Hans TV, il y a toutes ces autorités qui se sont déplacées. Grand merci à Maman Koulibaly Salmata. Et je lui dis que je l'aime énormément. Mon dernier mot, c'est déjà merci et aussi rendez-vous pour la deuxième édition en 2024. Poro Brunch remercie tous ses partenaires qui ont associé leur image à la réussite de cet événement, en particulier la Rose Blanche, l'Hôtel Wassa, Kiren, King Café, Minse King, Palmita et bien d'autres. Voilà le Poro Brunch, c'est chic, c'est bon. Merci et à bientôt pour un nouveau brunch. C'était Hans TV Korogo, la chaîne au plaisir de la nation. Contactez-nous au 07 47 14 97 03 pour vos événements.